Hey yo les gars, ici le Spartiate et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo Star Wars Battlefront 2. Et je suis très content de vous retrouver, mais je me déteste, moi je me déteste. Vous allez le voir, vous allez comprendre plus tard pourquoi. D'abord je voudrais que je vous montre quelques petites choses pour vous expliquer aussi d'autres choses qui sont à part avec ça. Déjà j'ai beaucoup plus de maps, j'ai toutes les maps de Star Wars Battlefront 1 rajoutées, du contenu de Star Wars Battlefront 1 et des mises à jour qui m'ajoutent. Des batailles sur l'époque de Knights of the Old Republic. Je crois que c'est 3000 ans avant les films qu'on connaît. Il me semble que c'est 3000 ans, ouais. Beaucoup plus de maps, j'ai aussi beaucoup plus de modes, comme vous pouvez le voir, là il y a Wave, je sais pas ce que c'est. C'est des vagues, un CTF avec des héros, Ordre 66 où le but c'est de buter tous les Jedi. Campagne, j'ai jamais compris, il faut jouer avec des missions, je pense. Enfin apparemment, enfin, c'est des missions avec des objectifs sur la planète. Chasse, bah, faut tuer les indigènes. C'est raciste. C'est comme merde, Holocron, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est une sorte de CTF. Ouais. Et puis donc voilà, j'ai installé des mods et des mises à jour. Je vais aller en conquête galactique. Voilà, j'ai lancé une petite partie à côté parce que je voulais jouer aussi sans avoir à faire des vidéos sans arrêt. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, ça a un petit peu changé. Tout simplement parce que la dernière fois quand j'ai essayé de faire ma vidéo, eh bien ça n'a pas marché. Tout simplement, j'ai la rage. Là j'ai refait les réglages, ça devrait bien se passer. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux flottes, j'en ai une ici, donc ici j'ai fait le ménage, tout ça. Donc ils peuvent plus créer une flotte ici pour m'attaquer dans le dos. Ils sont obligés de m'attaquer de front ou d'attaquer, c'est quoi, c'est Yavin 4 sélectionné. Ouais, c'est Yavin 4. Donc j'ai construit une flotte sur Yavin 4 aussi parce que j'avais 1000 sous-sous, 1000 crédits. J'avais assez de sous, tout simplement. J'ai acheté des bonus et j'ai aussi joué en tant que Jedi, donc avec le bonus leader. Je vous ai montré ce que c'était plutôt sympa. J'ai rushé Mustafar et j'ai rushé Mustafar en la finissant à peine de 6 minutes. J'ai acheté cette unité là et cette unité là. J'ai fait beaucoup de choses, malheureusement. Mais au moins maintenant on est bien lancé et on est à peu près équilibré parce qu'ils ont 7 planètes et nous 6. Et je vais. Ça c'est juste. Cette flotte là c'est juste pour défendre Yavin 4 parce que je me souviens. Je crois me souvenir que là. Je galère un petit peu sur cette map là. Elle était un peu chaude. En tout cas sur la PlayStation, mais après sur PC je sais pas du tout comment ça va se passer. Je la déplace sur... C'est quoi cette planète? Dagobah, je crois que c'est Dagobah. Fin du tour, normalement ils vont en créer une ici et ils vont m'attaquer. Et on commence avec une conquête galactique. Évidemment, c'est ce que je suis en train de faire depuis le début, donc c'est pas trop ça. On commence avec une bataille spatiale. Alors ça c'est à cause des mods, ça fout un peu la merde, ça change un petit peu le... Ça c'est pour la conquête galactique au temps de Knights of the Old Republic. Donc bah, c'est pas le bon modèle en gros, ça foutu un peu le bordel dans les fichiers j'ai l'impression. Et ils confondent le fichier du croiseur impérial et du croiseur impérial d'il y a 3000 ans. Donc ça c'est le croiseur impérial d'il y a 3000 ans. C'est parti. Et j'ai pas les bons bonus de toute façon pour faire de la... Bataille galactique, bataille spatiale, pas bataille galactique, c'est pas du tout la même chose. Attends, il me parle de sniper dans les astuces, alors qu'on n'a pas de sniper en ce mode 2, je suis fou un peu de ma gueule. Alors qu'est-ce que je vais faire comme stratégie? Je vais prendre ce vaisseau-là. J'aimerais bien que tout le monde monte un petit peu, là tous les mecs qui sont un peu débiles autour, qui font rien du tout. J'aimerais bien qu'ils montent. Allô les mecs. Bon, vous voyez, En multi, on pourrait se mettre toute une escouade dans le vaisseau à 4. Chacun aurait un canon. Là, je peux lancer des missiles téléguidés. Et là, je pilote. Bon, je vais pas les attendre, ils me saoulent. Donc voilà, donc dans ce vaisseau-là, on est 4. Normalement, là, on est que 2. Je peux tirer avec ça.
Alors ça, je vais lui tirer dessus de loin. Je peux pas le verrouiller. Lui, je peux le verrouiller. Je vois pas, mais je peux quand même lui tirer dessus. Il est super loin, en fait. Voilà. On me tire dessus, dessus. Mais ce vaisseau est plutôt résistant. Il est très lent, mais il n'a pas de manœuvre d'évitement. Vous voyez, je fais ça, je fais ça, je peux faire tout ce que je veux. Il fait pas de demi-tour, il fait rien de très pratique. En gros, il sert un petit peu à rien. Je balance des missiles sur le bouclier, ça fait toujours plaisir. Et je vais me poser. Bonjour, messieurs. What the fuck? Je suis crashé sur un de leurs vaisseaux. Repose-toi, s'il te plaît, voilà. Alors, il est tout endommagé, mais maintenant, mes alliés et moi, nous pouvons spawn sur ce vaisseau. Donc, en gros, bah, c'est très très la joie. Je me suis fait défoncer, évidemment, vu leur nombre. Mais, je peux, voyez, je clique là-dessus. Si j'y arrive, je pense que j'y suis, là. Clac, et là, je respawn dans leur machin. Donc là, ce qu'il faudrait qu'ils fassent, c'est qu'ils le détruisent. Et c'est ce qu'ils viennent de faire. Mais en général, ils le font pas parce qu'ils sont très très cons, comme c'est des bots. Ah, ça sert à rien ce que je fais. Je m'y prends très mal. Dans la vidéo précédente, ils étaient beaucoup moins nombreux. Oh là là, un petit missile. Bam. J'en ai tué qu'un avec mon missile. Oh, quel dommage. J'essaie de le reprendre. Ah, on est beaucoup dedans. Ah, on est à 4, c'est très bien. Donc là, logiquement, on devrait voir les canons autour qui tirent. Et des missiles qui partent tout seuls aussi. C'est très la logique. Alors, je balance des missiles sur le bouclier. Il est dans quel état, notre bouclier? Bah, il est à peu près dans le même état que le leur, j'ai l'impression. Oh! Voilà. Donc, que je vous le rappelle, je vois ça au petit trait. L'espèce de fin trait qui est autour de mon vaisseau en haut à droite, c'est l'état de mon bouclier. Donc plus il est rouge, au départ il est vert je crois, et plus il est rouge, bah moins il est en bon état, et au bout d'un moment, bah il se casse. Et je sais pas pourquoi je tire là-dessus, parce que là ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure, c'est rentrer dedans pour détruire le générateur de bouclier de l'intérieur en fait. Bonjour. Non, redécolle. Atterri, voilà. Je me trompe de ce que je veux lui dire. Voilà. Je vais me mettre en TPS parce que je trouve que c'est plus facile. On va varier les plaisirs. Je vais vous montrer les deux vues de temps en temps. Comme ça, vous aurez tout type de gameplay. Dis-moi qu'ils l'ont pas détruit. Ils l'ont pas détruit encore. Ah ! Non. Non, mais ils sont combien ? Sérieusement, ils sont combien ? C'était même pas un quart de ça quand je fais ça. Vite. Je respawn avant qu'il le détruise parce que là il lance plein de grenades dessus. Vite, il faut qu'il y ait une troupe de d'alliés qui spawn dessus. Ça m'aiderait beaucoup. Eh hey, vous, arrêtez. Arrêtez ça tout de suite. Je vous arrête au nom de la loi. Voilà, c'était du gameplay très très. Voilà, oh là. Et lui il se balade accroupi, tout va bien. Je recharge. Ah. Laissez-moi tranquille. Ah, lui, il pilote des tourelles. On va le laisser tranquille. Parce que quand il pilote des tourelles, il peut pas nous tirer dessus. Enfin, il peut nous tirer dessus quand on est au-dessus en vaisseau, mais pas quand on est... Je savais pas que les bots, ils prenaient d'ailleurs les tourelles. Je n'ai jamais vu avant qu'ils prenaient ça. Je prends le soin. Ah, je vais balancer une grenade. Par contre, je risque de pas avoir assez de grenades. Je vais alterner grenades et missiles... Vas-y. Oh! Qu'est-ce que. Ah oui, je tire 3 par 3. Ok. Je crois que j'ai une récompense pour avoir fait beaucoup de kills. En gros, je tire 3 par 3 et ça fait plutôt mal parce qu'ils se reçoivent 3 lasers d'un coup. C'est pas mal. Montrez-vous! Bam! En gros, je les one-shot tous. Enfin, one-shot. C'est un bien grand mot. Il me faudrait de la vie là, parce que je suis un peu dans le mal. Je vais mettre un peu en FPS. Dans des milieux confinés comme ça, c'est plus pratique. Je vais switcher avec selon ce qu'il me faut.
Et laissez-moi sortir, il faut que j'aille chercher des munitions pour mon missile et tout ça. Ah, on a plus de bouclier. Ah, je crois que j'ai récupéré des munitions sur eux là, c'est des petites boîtes, espèces de boîtes qui ressemblent, je trouve qu'ils ressemblent un peu à des boîtes où on met de la nourriture chinoise aux États-Unis. Bon, quand est-ce qu'il se détruit cette merde là? Je me mets comme ça, je peux pas voir sa vie. Chiotte. Il me reste une grenade. J'ai plus de missile après. Yes! Par contre, j'ai plus rien en missile et tout. Et ils ont plus de bouclier, c'est très bien. Alors, ce truc au milieu, c'est une cible aussi. C'est tout simplement l'ordinateur qui commande les tourelles automatiques à l'extérieur. Ah, il faut que je me cache. Ouah, même ça, je le défonce, quoi. Par contre, j'ai l'impression que mes munitions, elles partent plus vite avec ça. C'est cool, il me ramène des balles, du coup. Enfin, des munitions. Voilà, je recharge encore une fois. Je prends sa vie. Enfin, son bacta. Parce que c'est du bacta, c'est pas tout à fait de pareil que la vie. Enfin, c'est pas... Enfin, si, c'est exactement la même chose, en vrai, mais... Oh, vite, je me soigne au passage. Pousse-toi, toi. J'ai utilisé le même glitch que la dernière fois. C'est plutôt pratique. Parce qu'ils passent devant nous et on peut les canarder. Par contre, il y en a qui nous voient. Là, c'est plus pratique d'être, par exemple. Là, ça m'avantage plus d'être dans cette vue-là. Alors, je ne sais pas s'ils ont détruit mon transporteur. Je vais courir. Non! S'il vous plaît, soyez sympa! Soyez sympa, allez, soyez sympa une fois dans votre vie! Dans votre vie de programme! Programme informatique de la matrice, tous. Oui, comme je les tue, ils respawnent forcément. Mais arrêtez de spawn ici, merde! Ah, j'ai cru qu'il était parti sans me voir, j'étais content. Tiens, non, faudrait que je lance des missiles, ça fait plus de dégâts. Tiens, là, il y a des munitions. Clac. Ouh, ça fume. Ou alors c'est un autre bruit, je sais pas. Pourquoi ça fume comme ça? Je tire pas sur eux, je tire sur... Mais ils sont combien? Oh mon dieu, combien sont-ils? Aïe, aïe, aïe. Voilà, comme ça au moins ça c'est fait. On a gagné, ok. Je crois que j'ai gagné plein de points en détruisant le système de survie, donc ce que je viens de détruire. Et en tuant plein, j'ai gagné. Je crois que c'est. J'imagine que c'est un point par ennemi tué dans le score en haut à gauche. Du coup, on a gagné. J'ai gagné plein de points aussi en faisant le. En détruisant les objectifs. Et donc, on est posé. On a gagné. Bon. Ça s'est conclu d'une manière très étrange, mais bon. Alors j'ai fait le carnage, je suis le survivant, et je suis le précision, et je suis le terreur, voilà. C'est très très la logique dans ma voix. Alors je vais regarder à combien de vidéos nous sommes. J'ai l'impression qu'on a passé une éternité sur cette bataille, quand même déjà. Waouh. On est quasiment à 15 minutes. Sauvegarder au cas où, et jamais à l'abri d'un crash, même si j'ai jamais vu crasher ce jeu. Mais bon, avec les mods que j'ai installés, on n'est jamais trop prudent. Alors, bonus, j'ai ça, voilà, je voudrais vous le montrer. J'ai quoi comme ça? C'est 1000, ça sert à rien de dossier. C'est quoi? Naboo. Alors, Naboo, ils sont susceptibles d'attaquer. Alors, sélectionne. Ils sont susceptibles d'attaquer Dagoba ou Yavin 4. Est-ce que le bonus garnison, je pour être sûr de vous le montrer, non, désectionné. Je vais utiliser. Mais merde, c'est lui que je prends. Voilà, merci.
placer. J'utilise le bonus leader. Je sais pas ce qu'il a fait que ça a eu la caméra là. Le caméraman il a traversé la moitié de la galaxie pour rien. J'ai utilisé le leader. Ça je vais vous montrer. J'ai... Ah ouais, mais sur Naboo c'est peut-être pas un Jedi. Non, sur Naboo je crois que c'est pas un Jedi. J'ai utilisé le bonus garnison. The Garrison. Ouais. Ils ont utilisé le bonus leader. Ah, ils vont avoir Dark Vador. Ça va mal se passer pour notre cul. J'aurais dû prendre le leader. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va s'en sortir. On va s'en sortir, Belly! Je vais essayer de prendre celui qui est là-bas. Parce qu'il risque de nous prendre par dans le dos. Par dans le dos, oui, je parle français. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je parle français. De toute façon, avec la réforme de l'orthographe, c'est à croire qu'on peut dire et écrire n'importe quoi et que ce sera autorisé dans quelques années. Donc, qu'est-ce qu'on s'en prend la peine, la tête de... Voilà. Franchement, je trouve que c'est une grosse connerie cette réforme, mais bon, on n'est pas là pour parler politique ni actualité, on est là pour parler Star Wars Battlefront 2. Je vais mettre en TPS, parce que là, c'est sur des longues distances et je préfère être comme ça. Vas-y, 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 vas-y. Je vais essayer de rusher cette bataille, comme ça, je vais pouvoir vous... Merde, ils vont choper ce... qui est là-bas. Ah, on dirait que c'est bon. Ah, ça tire par là. Je vais quand même aller voir au cas où. Je voudrais pas qu'ils nous prennent un point de commandement dans le dos. Ça se passerait très mal pour nous si ça se passait comme ça. Je lui ai mis un headshot. Ça lui a pas plu du tout. Montre-toi. T'as les coups de crosse, ça manque hein, quand même. Mais pousse-toi, merde. Ils sont cons. Merde, on en a perdu un. Il sait lequel. Il est par là. Ils sont en train de le récupérer. Je vais les laisser faire. Ils ont l'air d'être à peu près nombreux par là. J'ai vu un point d'ennemi par là. Oh là là. Ça risque de pas être possible de le rusher finalement. J'espère que c'est pas Dark Vador leur leader. Parce que certes il est lent quand il ne court pas. Mais il fait très très mal avec son étranglement. Donc, en gros il vous immobilise et ça vous détruit votre vie peu à peu. C'est génial. Il faut que je récupère cette cuve de Bacta. Où est-ce qu'elle est passée? Putain, il a récupéré l'allié. Salaud. Je me cache un petit peu. Il est passé devant moi, quel con. Alors quand ça fait un hitmarker bleu, c'est que j'ai touché un ennemi. Ah, il y a un item un droïde médical là-bas. Putain, ils m'ont tué dans le dos. Bande de lâches. Je vais spawn juste ici. Clac. J'allais par là. Oh là, toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est sur le poste de commandement, je peux pas changer de classe. Tirez-lui dessus, j'ai tué le mec qui est là-haut. Merde, je l'ai pas eu. Ah, chut. Je vais spawn avec un lance-missile. Juste ici. Ah. Alors quand j'ai un lance-missile, j'ai quand même un petit blaster. Ne vous inquiétez pas, je me suis fait défoncer. J'ai quand même bien endommagé cet enfoiré. Ah, ça, la situation s'est retournée, ça risque de mal se passer pour notre cul, même si j'ai le bonus garnison. C'est chaud. Je me cache derrière nous? Non. Je crois qu'on me tirait dessus par derrière. Il se passe quoi avec les points de contrôle? Putain, on a tout perdu. Hein. Ils en ont 4, on en a 2. Ça se passe très mal pour notre cul. Et je pourrais faire autant de kills que je voudrais. Ça risque de ne pas arranger le tout. Ah, on en a récupéré un. Bien joué, les mecs. Bien joué. Bah, il est où celui qu'on a récupéré? On n'a rien récupéré du tout. Qu'est-ce qu'ils m'ont montré? Ah ça y est, on a récupéré le bonus garnison. Ok, enfin c'est ce que j'ai compris dans ce qu'il a dit. On a une garnison qui est arrivée en gros. Voilà, j'ai pas essayé le sniper tiens. Je pourrais peut-être essayer. Ça peut-être Stormtrooper. En plus je vise pas super bien.
Dégage. En petit flingue, j'ai un petit flingue de merde qui surchauffe. Je voulais vous le montrer vite fait. Pour vous montrer que je n'ai pas que ce fusil mitrailleur. Et je me suis fait dégringuer une fois de plus. Je vais tester le sniper un petit peu. Je vais monter sur le... sur ça. C'est pas un sniper qu'elle a dans la main. Arrête de bouger toi. Paf. Paf. Ouais, par contre les filles quand elles se font toucher elles crient comme des merdes. Ah bah. J'ai buté ce mec et j'ai gagné. C'est génial. Faut croire que le bonus garnison a été utile vu que on les a tous tués, tous les renforts qu'ils ont eu c'était le dernier. Je croyais qu'il y en avait d'autres autour. J'ai fait 37 kills, c'est pas mal. Oui, je suis modeste. J'ai eu carnage, donc je crois que c'est le plus grand nombre de kills consécutifs. Précision 34, j'ai peut-être fait 34 headshots, je sais toujours pas ce que c'est. Terreur 16, je sais toujours pas ce que c'est. Voilà, 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 voilà. Ok. Cette bataille n'était pas mal du tout. Alors, où est-ce qu'on en est dans la vidéo? 20 minutes, ok. La durée, je crois, 5 minutes. Je sais pas si elle est sauvegardée. Oui. Nous avons envahi Naboo avec succès. Fin du tour. Ah, je suis fou. D'accord. Alors, comme j'ai envie de vous montrer le bonus, ici le bonus leader, d'ailleurs, comme j'ai assez de sous, j'ai racheté ça. Comme j'ai envie de vous montrer le leader, donc j'espère le Jedi, et que si je les attaque, la dernière bataille risque d'être une bataille galactique, vu que je vais les attaquer de front, et si elle est longue, et bah ce sera la dernière bataille de la vidéo. Donc je vais me déplacer par là et les contourner pendant que eux ils attaquent Naboo. Et sur Naboo j'utiliserai le bonus du leader. C'est parti. Même si ça vous gave un petit peu cette map, bah c'est moi qui décide. Tout simplement. Voilà, c'est pas pour la map que je fais ça, c'est pour... j'ai deux choix, soit pour les sous, soit pour le leader. Non, c'est pour le leader. D'ailleurs, on l'a pas vu leur leader. Parce qu'ils ont utilisé le bonus leader, mais on n'a pas vu leur leader, leur héros, leur machin. J'espère que j'aurai pas la reine Amidala. En fait, sur la vidéo qui a foiré, j'ai eu Obi-Wan Kenobi, mais en version jeune. La princesse Leia. Oh, génial. Franchement, c'était le meilleur choix qui pouvait m'arriver. Waouh! Elle a un petit flingue de merde. C'est un sniper, sérieusement. C'est quoi mon deuxième flingue? J'ai pas de deuxième flingue. Ça a l'air d'être vraiment l'amusement, dis-moi, la princesse Leia. Et c'est elle qui crie comme ça, putain. Oh là 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 là. C'est un truc qui surchauffe. J'aime pas du tout ce flingue. Je ne l'aime pas du tout. Donc il y a la princesse Leia sur Naboo, sur la planète de sa mère. En gros, qui la défend? Ah, déchauffe. Voilà. Tu souffles dessus comme ça. Et comme ça, c'est moins chaud. En fait, ce flingue est plutôt pas mal quand tu t'habitues à l'utiliser. C'est pas aussi cheaté qu'un sabre laser, mais bon. On va dire que c'est bien. On va dire que c'est pas mal. Voilà. Voilà ce qu'on va dire. Ok. Ils ont récupéré ceux du milieu. On va y retourner. J'ai essayé de les un peu encercler au niveau des... On les a englobés au niveau des postes de commandement. Ils ont plus de renforts que nous. Un très léger avantage. Non. Grossièrement, on est au même niveau. Pourquoi je le tue pas? Voilà. J'ai tué dans la tête. Merde, j'ai tué le pote, je crois. Je suis pas sûr. J'avais pas tué lui. Tiens, une grenade. Je suis invisible, invincible. Je vais balancer l'invincibilité.
C'est lequel qu'on a perdu? Ah, je veux pas regarder la map, je veux me battre. Je peux pas regarder la map. Voilà. Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe? On perd un command post, on gagne un command post, on perd un command post. Un poste de commandement, pardon. Oui, donc la barre de vie des héros, c'est le sabre laser en bas à gauche. Il se réduit peu à peu et il se remplit un petit peu à chaque fois qu'on tue un ennemi. C'est des gros sadiques les héros. Plus tu tues des ennemis, plus tu vis. C'est un peu logique, enfin c'est la logique de la guerre, mais là plus... En gros, c'est comme si en vrai, quand on tue des gens, on vit plus vieux, enfin on vieillit moins vite, quoi. Pourquoi je le touche pas? Mais je tire là! Attrapez ça, bande de salauds. Pourquoi quand je tire, ça les touche plus? Je me suis fait déglinguer. J'espère qu'elle va respawn. Si elle respawn, je suis content. Oh, ça se passe de la même manière que tout à l'heure. J'aurais dû prendre le sniper. Je suis juste à côté, je peux prendre. Tac. Oh merde, ils sont en train de récupérer ce qui est là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bah, c'est que des potes, qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce que vous foutez ici? Il faut pas être ici, il faut être là-bas. Pour gagner la guerre. C'est le but de gagner la guerre. Oh là 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 là, c'est la merde. Grenade. Tiens, je mets une tourelle. J'ai posé une tourelle. Oh merde. On les tue pas à travers cette merde. Ah, tire. Recharge. Voilà. Grenade. Have a bad feeling about this. Ils arrêtent pas de dire ça dans les films. J'ai un mauvais pressentiment. En gros. Merde, je suis mort. On est en train de se faire démolir. Il faut se reprendre, les mecs. Il faut se reprendre. C'est bon, on a récupéré un en bas. C'est chou patate. Oh, on est plus que 7. On a plus que 7 vies, mais eux ils sont plus que 15. Donc c'est possible. On va dire que c'est possible avec la carte kiwi. Il me faut une carte kiwi. Monsieur, une carte kiwi. Non, faut pas que je meure. On perd une unité si je meurs. Si j'arrive à en tuer 10. Oui, princesse Leia. Yes, elle a respawn. Heureusement qu'elle a pas qu'une seule vie. C'est plutôt cool. Tiens, voilà. Ils sont plus que 8, nous sommes plus que 3. Voilà. Alors, si vous avez pas remarqué, en fait, c'est en bas, il me propose de prendre Leia. J'ai un certain temps pour la choisir. Il me propose de la prendre. Et si je peux faire oui ou non. Enfin, logiquement, dans les parties multi, c'est celui qui a le plus grand score qui peut avoir Leia. Pourquoi je le touche pas, là? J'ai le viseur sur sa tête. Oh. Je suis invincible! Non, toi. Voilà. Toi, je t'attaque de front parce que... Je suis débile. LOL, attrape ça. Attrape celle-là! Est-ce qu'elle peut récupérer des munitions, elle? Oh, chiasse. Eh, mais ça a l'air cool, ça. Il s'est pas visé. Il est encore pire que... Non. Je crois que c'est la première défaite. Ah, j'étais le dernier, chiasse. Et eux, je crois que c'était les deux derniers aussi. J'ai fait 54 kills, je suis mort 3 fois. En plus, je voulais montrer un Jedi à la base. Dommage.
C'est pas grave, ça fait un petit rebondissement. J'étais trop sûr de moi. L'IA m'a battu pour une fois. Ah, ils ont gagné plein de crédits en plus. Ok. All fleets on standby. Donc, ça fait, je crois que ça fait une trentaine de minutes. Ouais, ça fait 30 minutes. C'est parfait. Je vous propose de vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Mettez un like si vous avez aimé. Suivez-moi sur Twitter pour les news. Mettez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez Battlefront 2 pour qu'on fasse des petites parties ensemble sur Game Ranger. Si on arrive à être 64, ce serait le meilleur parce qu'on peut faire des batailles jusqu'à 64 joueurs sur une seule map. Ça peut être le gros bordel, ça peut être très très drôle. Et puis du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis bah, c'était le Spartiate. Bye les gars.